Le certificat médical, les infos à retenir. La maladie rare dermatologique de votre enfant entraîne un handicap et des conséquences sur la vie quotidienne de votre famille. Vous pouvez constituer un dossier auprès de la Maison départementale des personnes handicapées. Il vous permettra d'obtenir des aides adaptées aux besoins de votre enfant pour son quotidien. Le dossier est composé de deux parties. Une partie médicale qui sera complétée par le médecin de votre enfant et une partie sociale que vous pourrez compléter. La Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, dite CDAPH, se réunira pour analyser et évaluer votre dossier. Pour votre évaluation, il faut fournir un dossier très complet. Cette vidéo a pour objectif de vous transmettre les informations essentielles sur le remplissage du certificat médical. Par qui le faire remplir ? Il est préférable que le certificat médical soit rempli par le médecin qui connaît bien la maladie de votre enfant. Plus les éléments médicaux sont clairs et précis, plus la commission pourra attribuer la prestation adaptée à votre enfant. Il est important que le premier certificat soit rempli par un médecin expert de la maladie rare, soit auprès d'un centre de référence ou compétence. Votre pédiatre ou médecin traitant, qui connaît bien le quotidien de votre enfant, peut aussi se mettre en lien avec le centre de référence pour garantir un dossier le plus complet possible. Les maladies rares dermatologiques sont peu connues de l'ensemble des médecins des commissions MDPH. C'est pourquoi il faut vraiment remplir ce certificat avec un médecin expert de la pathologie. Ce médecin, en remplissant le certificat, va donc apporter des éléments explicatifs très précis sur la pathologie. Par exemple, dans une épidermolyse bulleuse héréditaire, lorsqu'on dit qu'il y a des grands décollements ou des plaies cutanées, on a l'habitude de marquer type grand brûlé parce que c'est un exemple qui va parler à un médecin. Et dans une ichtyose où on va dire kératodermie palmoplantaire, on va préciser qu'elle est éventuellement, si c'est le cas, invalidante et qu'elle empêche la marche, quel est le périmètre de marche possible pour l'enfant, enfin bref, en quoi cette pathologie a un retentissement direct sur le quotidien. Il est fortement déconseillé d'adresser le certificat médical à votre médecin par mail ou par courrier, car l'enfant doit avoir été examiné dans les 3 mois précédant le remplissage du dossier. Vous pouvez prendre un rendez-vous avec votre médecin spécifiquement pour la constitution du dossier afin qu'il puisse le compléter avec les éléments actualisés. Pour les demandes spécifiques, comme l'auxiliaire de vie scolaire mais également l'intervention du CESAD ou d'autres demandes, il faut absolument anticiper de plusieurs mois. Parlez-en déjà à votre médecin pour le remplissage du certificat MDPH avec ces demandes spécifiques. Le renouvellement. Lorsqu'il s'agit d'un renouvellement, il y a la possibilité de faire un certificat simplifié qui figure en première page du dossier MDPH. On peut joindre à ce certificat simplifié un compte-rendu récent de consultation ou d'hospitalisation avec les différentes prescriptions de votre enfant. S'il y a le moindre changement, il est plutôt conseillé de reprendre les items du certificat et de le remplir à nouveau en reprécisant bien les modifications, ceci afin encore une fois d'être précis dans la demande de prestation. Les informations non médicales. S'ajoutent aux éléments médicaux dans ce certificat toutes les conséquences au quotidien liées à la maladie, comme le temps consacré aux soins, les différents trajets pour les prises en charge, le retentissement sur la vie scolaire ou encore les difficultés alimentaires. Il est important que les familles mentionnent bien toutes ces conséquences à leur médecin lors de la constitution du dossier. Par exemple, ce sont les parents qui vont pouvoir nous dire si l'enfant dort mal, s'il y a un prurite, si éventuellement il est douloureux et à quel moment précis de la journée, ceci afin d'en tenir compte, notamment lorsqu'il y a un retentissement sur le sommeil, savoir que le lendemain, l'enfant sera fatigué à l'école, dans ses activités, ça c'est vraiment important de le préciser aussi dans le certificat. Une dernière chose importante va être également l'orientation scolaire et nous allons délivrer des conseils afin que l'enfant ne soit pas orienté dans une filière qui ne corresponde absolument pas à ses possibilités, ceci afin d'éviter l'échec scolaire et l'échec d'orientation. Pour un patient qui est atteint d'un xéroderma pigmentosum, on ne va pas l'orienter vers un métier de type horticulture où il y aura un travail en plein air qui donc va être à risque pour sa santé. Remarques ou observations complémentaires. Pour le remplissage de la partie remarques ou observations complémentaires, la famille peut aborder avec le médecin lors de la consultation
toutes les dépenses en lien avec la maladie de l'enfant qui ne sont pas prises en charge par l'assurance maladie, comme les crèmes hydratantes, les crèmes solaires ou les frais liés au dépassement d'honoraires des professionnels de santé. Je prends l'exemple de l'ictiose. À cause de la crème grasse, on va avoir un entretien du linge qui va être plus fréquent, plus important, majoré, avec un coût supplémentaire pour les machines à laver, l'entretien de la plomberie, etc. Donc ça sera important de le préciser. En cas de refus de votre demande ou de prestations ne correspondant pas aux besoins demandés sur le certificat, votre centre de référence peut vous aider. Contactez l'assistante sociale ou votre médecin traitant qui vous aideront à effectuer un recours. Pour être conseillé dans le remplissage de votre dossier, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un centre de référence ou de compétence proche de votre domicile. Vous pouvez aussi solliciter l'association de patients engagés dans votre maladie.